9h, je vais... Ah non, non, non. Et c'est pour ça, en fait, j'en ai parlé avec vous, okay. avec votre collègue à la porte. Ils ont dû être étonnés, alors, rien, non, ils savaient que vous arriviez. Non, on en parle pas. La première vague, ils ont tous les blocs étaient arrêtés. En fait, il y avait des médecins qui avaient le ventre à terre pendant 40 minutes, comme ça, sur le dos. Et donc, il y avait des chirurgiens qui venaient, qui disaient que c'était ça, leur job pendant la première vague. C'est juste retourner les patients, parce qu'il fallait qu'ils soient clairs pour retourner un patient. Moi, je m'attendais au confinement. Je pense que c'est plus. Enfin, ça aurait été un confinement national. Parce qu'au niveau sanitaire, c'est. Je pense que c'est pas suffisant de confiner juste région par région. Et. Ça, je pense que, enfin, je pense que c'est un suicide sanitaire. C'est... Ça va être... c'est déjà compliqué et je pense que ce sera d'autant plus compliqué. Sachant les variants qu'il y a en ce moment, on a quand même énormément de variants. Il y en a des nouveaux qui arrivent, qu'on découvre. Donc non, c'est pas logique, selon moi. Après, je peux comprendre que économiquement, ce soit compliqué, que ce soit dur aussi de dire aux Français « restez confinés », alors qu'ils savent très bien que ça a été très compliqué lors de la première vague, que les gens ne supportent plus de rester à la maison, d'être en télétravail, d'être restreints sur leur sortie. Mais c'est vrai que nous, ici, on ressent qu'il y aurait besoin, en fait. I think that they had to choose a name for these new measures, and they called it lockdown, but that's something completely different from the two previous real lockdowns. So I think they had to call it lockdown, but that's not the same thing as before. Si c'est suffisant ou pas. Bien malin celui qui peut dire qu'il peut prédire ce qui va se passer. Je veux dire, ce qui est certain, c'est qu'il fallait prendre des mesures pour baisser la pression sur les réanimations. Elles ont été prises. Chacun fait son travail. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait en prenant en compte toutes les nécessités, tous les impératifs de la vie de la cité. Et nous, ben, on va faire notre travail en essayant de prendre en charge tous les patients, Covid et les autres. Bien sûr que si on avait le désert du Sahara pour répartir toute la population de l'Île-de-France, ça serait mieux. Mais on fait avec ce qu'on a. Ségolène, ça fait combien de temps qu'il est là ? Ce monsieur, ça fait 20...